Nos ambassadeurs n'ont pas démérité, ils ont bravé la météo pour tester nos produits, prendre du plaisir. L'objectif de cette semaine de formation, c'est que l'ensemble de nos moniteurs ITWI du monde entier connaissent par cœur les nouveautés des gammes paddle et kayak, qu'ils aient pu échanger avec les ingénieurs, les chefs de produits et les designers, et qu'ils soient capables de parler de ces produits à leurs clients aussi bien que nous, et ensuite surtout, qu'ils reforment dans leur pays et dans leur région tous les vendeurs des magasins sport d'eau qui vendront les produits ITWI en 2019. On était encore une fois super fiers de pouvoir présenter toute notre stratégie commerciale pour réussir la saison 2019. On avait un grand défi cette année, c'est de proposer sur le marché le stand-up paddle le plus large et le plus stable de la gamme. Le 11 pieds par 34 de large par 6 d'épaisseur va être vendu dans tous les magasins et sera considéré comme la planche la plus accessible sur le marché. Stabilité incroyable, là j'ai fait des petites acrobaties sur l'eau, c'est vraiment phénoménal. On a 60 personnes qui testent toute la gamme, toute l'offre. Grosse découverte quoi, notamment le race, je suis convaincu. C'est une gamme complètement nouvelle, avec deux nouvelles planches et plein d'accessoires super sympas. Moi j'ai l'habitude de faire du kayak, donc là ça m'a permis d'essayer toutes les boards stand-up. Vraiment les retours sont top, toutes les équipes ont été impressionnées par à la fois la rigidité, la vitesse de ces planches. On discutait avec plusieurs ambassadeurs qui m'avouaient qu'ils n'avaient jamais fait de subsurf et qu'ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer. Ressentir les sensations de glisse dans la vague, et je pense qu'ils sont tous éclatés, hier j'ai vu plein de sourires. Ils ont tous pris une vague, ils étaient ravis, ils étaient enchantés, ils ont vraiment apprécié la glisse. Yo, el test de las tablas de olas de Subwave, ¿sí? Y una sensación increíble. Nunca había probado la tabla y las sensaciones que me llevo son muy buenas. On a eu la chance de pouvoir leur faire essayer tous les produits à l'eau. Le kayak 500, effectivement, c'est la première fois que je teste un kayak comme ça. El kayak X500, je suis kayakista, entonces estaba máxima ilusionada. I love the Hex 500 kayak, the new one, it's awesome. I'm looking forward to have it in UK and to try it with my customers, with my team, with my colleagues, with my family. On essaie de montrer comment utiliser les supports pour faire tester à les utilisateurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui va apporter une expérience, un ensemble très différent. Toutes les réponses, ils ont tout ce qu'il faut pour bien montrer les produits et pour accompagner les utilisateurs à bien acheter les produits adaptés à ses besoins. Par la suite, ce qu'on va leur proposer, c'est des ateliers de réparation, des ateliers SAV, pour pouvoir entretenir et réparer nos produits pour les rendre durables dans la saison. On a parlé de tous les détails du produit. Après, on prend la spatule. On a trouvé que c'était hyper important cette année de partager cette nouvelle vision qui est encore en construction avec les ambassadeurs et les moniteurs. On a recueilli vraiment des retours super intéressants. Je suis vraiment sûr que ça leur donnera des très bons arguments pour pouvoir expliquer ça aux clients et aux utilisateurs dans les magasins. Ha sido una muy buena experiencia poder compartir y aportar nuevas ideas para la visión de la marca. J'ai vraiment envie de suivre votre vision en fait. Je vais travailler pour ça. Et ça, c'est en plus que vous avez réussi entre les ambassadeurs. Mais vraiment, hein, je m'en remercie. Bonne saison à toi. Merci. Cool.